Le poisson lion, également connu sous le nom scientifique teroi, est une espèce de poisson originaire des eaux tropicales de l'océan Indo-Pacifique. Voici une description de cette espèce. Apparence, le poisson lion est un poisson de taille moyenne à grande, avec un corps allongé et comprimé latéralement. Il possède de longues nageoires pectorales rayonnantes qui ressemblent à des ailes. Sa coloration est souvent spectaculaire, avec des motifs rayés, tachetés ou marbrés dans une combinaison de couleurs vives, telles que le rouge, l'orange, le brun, le blanc et le noir. Certaines espèces de poisson lion ont également des excroissances de peau venimeuses appelées épines, situées sur le dos et les nageoires. Venin, le poisson lion est réputé pour son venin puissant. Les épines sur son dos et ses nageoires contiennent du venin, qui est libéré lorsque le poisson est menacé ou en cas de contact. Ce venin peut provoquer des douleurs intenses, des gonflements et des réactions allergiques chez les humains. Il est important de faire preuve de prudence et d'éviter de manipuler ou de provoquer ces poissons. Habitat, les poissons lions se trouvent principalement dans les récifs coralliens tropicaux de l'océan Indo-Pacifique. Ils préfèrent les zones abritées avec des structures de corail, des grottes ou des surplombs, où ils peuvent se cacher et chasser leurs proies. On les trouve généralement à des profondeurs allant de quelques mètres à environ 50 mètres. Comportement alimentaire. Les poissons lions sont des prédateurs voraces. Leur régime alimentaire se compose principalement de petits poissons et de crustacés, tels que des crevettes et des crabes. Ils utilisent leur camouflage et leur capacité à se fondre dans l'environnement pour se rapprocher de leur proie avant de les capturer avec une attaque rapide. Impact sur les écosystèmes. Le poisson lion est considéré comme une espèce envahissante dans certaines régions, notamment dans les Caraïbes et le Golfe du Mexique, où il a été introduit de manière accidentelle ou intentionnelle. En raison de leur comportement prédateur agressif et de leur absence de prédateurs naturels dans ces environnements, les poissons lions peuvent avoir un impact négatif sur les populations de poissons indigènes et sur l'équilibre des écosystèmes marins. Mesures de gestion, pour contrôler la prolifération des poissons lions et minimiser leur impact sur les écosystèmes, des mesures de gestion ont été mises en place. Cela peut inclure la pêche ciblée, la promotion de la consommation de poissons lions capturés, des programmes d'éducation et de sensibilisation, ainsi que la création de zones protégées où la pêche de ces espèces est interdite. Reproduction, le poisson lion a un mode de reproduction caractéristique.
Les mâles construisent des nids en forme de coupe sur le fond marin en utilisant des algues, des coquilles et d'autres matériaux disponibles. Ils attirent ensuite les femelles dans leur nid pour la ponte. Après la fécondation. La femelle pond des masses gélatineuses contenant des milliers d'œufs. Le mâle féconde ensuite les œufs et les protège jusqu'à l'éclosion. Les poissons-lions sont connus pour leur dévouement envers leur nid et peuvent devenir très agressifs pour défendre leur progéniture. Adaptation physique. Outre leur coloration vive, les poissons-lions possèdent d'autres adaptations physiques intéressantes. Leurs nageoires pectorales rayonnantes, en plus de leur aspect esthétique, leur permettent de se déplacer avec agilité et de maintenir une position stationnaire dans l'eau, ce qui est utile pour la chasse. Leurs épines dorsales et de nageoires servent de mécanisme de défense contre les prédateurs potentiels. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils érigent leurs épines pour paraître plus grands et plus intimidants. Variété d'espèces. Le genre Pteroi comprend plusieurs espèces de poisson-lion, parmi lesquelles le poisson-lion commun, Pteroi volitans, et le poisson-lion à bande rouge, Pteroi miles, sont les plus connus. Cependant, il existe d'autres espèces moins répandues qui présentent des variations de couleurs et de motifs. Certaines espèces peuvent atteindre une taille plus grande que d'autres. Aquariophilie, malgré leur statut d'espèce envahissante dans certaines régions, les poissons-lions sont également populaires dans les aquariums du fait de leur apparence unique. Cependant, leur maintenance en captivité peut être complexe en raison de leurs besoins spécifiques en termes de taille du réservoir, de qualité de l'eau et de régime alimentaire. Il est important de se renseigner et de prendre des précautions avant d'acquérir un poisson-lion en tant qu'animal de compagnie. Effort de contrôle. Pour lutter contre l'expansion des populations de poissons-lions dans les zones où ils sont considérés comme envahissants, des mesures de contrôle ont été mises en place. Cela peut inclure des campagnes de pêche et de capture ciblées, l'encouragement à la pêche et à la consommation de poissons-lions, ainsi que des programmes d'éducation pour sensibiliser les populations locales à cette problématique. Le poisson-lion est donc un poisson fascinant, à la fois par son apparence spectaculaire et par son impact sur les écosystèmes marins. Son comportement reproducteur, ses adaptations physiques et son statut d'espèce envahissante en font un sujet d'étude et de gestion important pour les scientifiques et les organismes de conservation.